sort de la douche. Je voulais juste vous faire un petit tuto make-up, beauté, ma routine du matin. Et avant toute chose, je voulais qu'on réintroduise la voix off, parce que ça m'avait vraiment plu sur la dernière vidéo. Ça vous va? Donc tout d'abord, chaque matin, j'utilise du fond de teint ou de la bébé crème. En ce moment, j'utilise le fond de teint de la marque Delila Cosmetics, que je trouve juste génial parce qu'il est vraiment clair et il se fond parfaitement avec ma carnation. Je l'applique juste après ma crème hydratante et ça donne un résultat super naturel. Un peu un effet de teint unifié, mais comme si j'avais pas de maquillage. Deuxième chose que je mets tous les matins, c'est de l'eyeliner. En ce moment, j'utilise celui de Nott. Il est super bien parce qu'il est vraiment noir. Donc je fais un trait en partant du coin de l'œil jusqu'à la moitié de la paupière environ. Je ne fais jamais tout l'œil. Deuxième étape, le mascara. Bon là, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous apprendre comment on s'en met. C'est plutôt classique. Pour le côté bonne mine, j'utilise ce Chubby Stick de la marque Clinique. Une marque que j'adore depuis des années. J'en applique juste deux petits traits et puis j'étale. J'aime beaucoup ce stick parce qu'encore une fois, je trouve que l'effet est super naturel et que ça se voit à peine. Et alors attention, gros favori ce produit. Le Full Cover de Makeup Forever. Mon petit secret de tous les jours. Il cache toutes les petites imperfections. On passe aux cheveux. Pour dompter un peu ma coiffure le matin, j'utilise la brosse lissante de Babyliss, qui est hyper pratique pour lisser mes cheveux que je ne sèche pas après la douche, je les laisse sécher naturellement. Donc il y a juste à la passer pendant quelques secondes, environ une minute, et ça dompte la coiffure, j'aime beaucoup, en gardant un effet très très naturel. Et voilà mes chats! Bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie de l'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube. Ou à me rejoindre sur mon réseau social préféré, Instagram. Troisième option, vous pouvez aussi aller voir mon blog. D'ailleurs, il y a un article lié à cette vidéo. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Merci d'avoir pris 3 minutes pour regarder cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.